tout le monde, on se retrouve pour un unboxing. Unboxing avec la boutique Myth of Asia. Donc retour un peu du diamond painting sur la chaîne. C'est vrai que j'en ai pas fait depuis un moment et la toile que je fais en ce moment, elle est un peu longue à faire. Enfin, donc voilà, on va aller sur le site. Donc nous nous retrouvons ici sur le site de Myth of Asia. Donc comme tous les autres sites chinois. On arrive sur cette page, donc comme d'habitude on fait clic droit, traduire en français, là elle était déjà traduite. Et donc on va descendre, voilà, et on voit un petit peu les recommandés pour vous. Les collections, donc on a du Disney, on a des petits chats, ah non, nouveau, ok. Voilà, on va voir un peu ce qu'ils ont en nouveauté. Donc je trouve que le site est un petit peu cher, entre nous. Mais c'est de la qualité. J'ai un peu regardé dans le colis vite fait. Oh, celle-là, la Belle et la Bête, est trop trop belle. Franchement. Oh, le petit renard, il est trop chou. Ouais, bah, c'est pas mal tout ça. Ah oui, il y avait les Marvel aussi, les Avengers, pas mal du tout. Donc voilà. Ici, c'est les nouveautés qu'ils ont sorties. Je trouve pas mal. Donc, on revient sur le plan caméra. Et on va sortir un petit peu tout ce qu'il y a. Donc, dans ce colis, il y a... Hop là. Ok. Donc, dans ce colis, il y a deux toiles. Donc, ah, le kit ici, c'est ouvert. Là, on a reçu deux kits d'épée. Je vais mettre celui-là sur le côté. Donc, ici, on a un stylet pailleté, comme vous pouvez le voir. Oh, il est trop beau. On a une petite barquette normale. On a un double pain de tir. Et on a une pince, ouais. Qui me paraît correcte. Donc j'ai pris deux toiles dans ce partenariat avec eux. D'ailleurs je les remercie de leur confiance. Juste que j'ai pas fait attention, j'ai pris que des carrés. Je voulais prendre un rond. Je voulais prendre un rond et bah, j'ai pris deux carrés. Donc ici, on a les deux toiles. Voir que je m'amuse à les faire. Oh, on a un papier. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est marqué complètement en néerlandais. Donc, voilà. Ok. Donc, ici, comme vous pouvez voir, avec le clan... Voilà, clan 10, vous avez 10% sur les achats si le site vous intéresse. Après, voilà, le reste est écrit en néerlandais, c'est vraiment très compliqué. Mais voilà. Donc, on a reçu des... Alors, je crois que ça, en fait, c'est pour mettre directement sur la toile et faire des petits... Et bon, c'est très sympa. Du coup, c'est vraiment mieux que les autres sites chinois, donc par exemple NDC Link, on n'avait pas ce genre de petites attentions, voilà. Et hop, donc ici on avait un petit tube en polystyrène, pourquoi pas. Hein. Et donc on va commencer par la première, voilà, mettre celle-là sur le côté. Donc celle-ci m'a coûté 24,95€. Et donc ici on a une toile mais complètement... vierge de couleur, donc c'est l'étoile spéciale mystère. Je sais pas si vous en faites, n'hésitez pas à me le dire. Moi je trouvais ça sympa l'idée. Du coup j'aurais... Ah, je me suis un peu trompée. Donc TH0017. Alors TH0017 c'est celle-là. Donc ici on va... Je vais l'ouvrir. Et fait, on va voir plus ou moins les couleurs qu'on a. Mais en soi, c'est assez dur à voir un petit peu ce qui se passe. Parce que là, je vois une espèce d'arc de cercle. Voilà, je pense que ça doit être un personnage. Mais j'ai vraiment zéro idée. Donc, voilà. Ici, on a un petit feuille. Ok, donc on a 31 couleurs. 31 couleurs. 24 euros pour 31 couleurs, quand même, c'est pas mal.
Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Je m'attendais à ce qu'il y ait 20 couleurs, quelque chose comme ça, un peu comme, comme les autres toiles que je prends, généralement. Voilà. Donc on a quoi? On a du rose. Oh, le rose ici, il est magnifique. Tout dans des petits sachets. Par contre, c'est vraiment beaucoup de petits, tout petits sachets. Oh, le vert ici, il est très très beau, ce vert. On va regarder un petit peu ce qu'on a d'autre en couleur. Par contre, les sachets me semblent assez petits. Je suppose que il doit y avoir des sachets. Là, par exemple, ici, on a la 10. Voilà. On a la couleur 10 et la couleur 18. Ok. Est-ce que... J'ai l'air d'avoir un petit truc, je sais pas. En tout cas, ouais, les couleurs ici, 10, 9. En tout cas, bon, donc ça, il y a de la couleur peau ici. Voilà. Hop, on a deux couleurs peau. Donc, ça doit être un personnage. Je ne sais pas. En tout cas, on verra. Je ne sais pas si vous voulez que je la fasse sur Twitch. Que je reprenne les lives Diamond Painting. Le lien Twitch est en bas. Hein. Dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et donc, oui, je pense que là, il va y avoir un personnage. Donc, franchement, j'en ai aucune idée. Donc, ce sera à voir. Et du coup, là, on n'a même pas les couleurs. Hein, donc, c'est vraiment du mystère. Enfin, et pour la seconde toile. La seconde toile, c'est une toile d'Uncanto. Donc, vous l'avez vu dans les nouveautés, je crois, ou non, non, recommandé pour vous, je crois. Donc, voilà. Elle est aussi au prix de 24,95€. Et bah, ça me paraît correct. Hein. Faudra voir une fois mise en couleur. J'ai pris du 30/40 parce que comme ça peut rentrer dans ma farde. Par contre. Oui. On va regarder. On va vérifier quelque chose. On n'a pas vérifié. Donc je prends mon mètre à mesurer. Oh oui. Oh oui, c'est vraiment du 30/40. Donc, c'est 35/45. C'est énorme. C'est énorme. D'habitude, on a toujours des toiles qui sont du 25/35, quelque chose comme ça. Et là, c'est des vraies toiles. Donc, ça, c'est un très bon point pour la boutique. On en reviendra après. Donc, ici, niveau des couleurs... Donc, j'ouvre le sachet, je suis désolée pour le petit bruit de plastique. En tout cas, les couleurs là de la toile me sont pas mal dessus. On va voir. Et donc là, on a, du coup ici, comparé à l'autre, on a l'image et il y a 33 couleurs. Et elle est super belle, hein, la petite image là. Alors, franchement, moi, je la kiffe, elle est trop trop chouette. Et donc, 33 couleurs. C'est pas mal. Donc niveau des couleurs, on va regarder un peu avec vous. On va sortir quelques sachets. Voilà le orange pétant. Ici on en a. On a du bleu pour la robe. On a du rose. On a du brun. C'est vraiment trop trop chouette ça. Oh, je sais. 33, donc 3865. C'est un gris blanc. Je sais pas s'il y a des couleurs fluorescentes dedans. Ce serait trop trop bien. Donc voilà. Ah, on a un diamant qui s'est barré. Hop. Ensuite, ici dans les on a du jaune, on a, voilà. On a un gros sachet de bleu. Hop. Je regarderai plus tard. Oh, le turquoise là, il est trop beau. Vous le voyez un peu bleu, c'est dommage ça. Mais il est très joli le turquoise. Pom pom pom. Donc, franchement, je suis assez contente. Ça me fait des nouvelles toiles. Et c'est pas mal. Donc, niveau de... Comment dire? Niveau des plus pour la boutique et des moins. La qualité de la toile, elle est assez épaisse. C'est vraiment chouette. Là, je vous jette ça sur le côté. Je suis désolée pour les bruits. Niveau du collant. Ouais, elle colle quand même pas mal. Franchement. Et alors, un petit kit ici.
je suis assez fan parce que j'aime vraiment les kits où tu as un petit, une petite rivière comme ça pour remettre dans les pots. Le stylet est chouette, il y a des paillettes, c'est trop mignon. Vous connaissez moi les paillettes, voilà. Je suis totalement une fille hein, pour ça. Et une petite pince. Bon, la pince, elle est pas ouf. Au niveau de la. Elle a l'air quand même assez. Assez épaisse, hein, mais je pense que c'est le genre de pince qu'on a et qui sont un peu bif bof. Donc voilà. Le fait qu'on ait eu ça dans la toile pour justement la rouler, elle s'est pas croquée en chemin. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et alors, ces choses-ci. Alors moi, je les utiliserai pas pour ça, mais... Par contre, pas que je les utiliserai pour ça. Mais je trouve ça très chouette. Donc on en a 4, 5, 6, 7 et 8. Et je pense que de toute façon, c'est pas plus mal parce que... Bah, voilà, on en a 8, 4 par toile. C'est pas mal. Donc voilà, voilà. C'est une boutique que je vous recommande, en tout cas au niveau de la qualité. Maintenant, il faudra que je teste les... Oula, désolé. Il faudra que je teste les diamants, voir si bah, ils sont bien taillés, s'ils n'ont pas d'écart ni rien. Mais voilà, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.